Bonjour à tous. Je suis content de vous revoir aujourd'hui pour la troisième partie de notre série sur l'Évangile de Jean. Et pour introduire ce troisième sermon, j'ai pensé à quelque chose de tout bête. Un petit quiz pour voir ceux qui ont révisé les sermons sur Jean 1 et sur Jean 2. Est-ce qu'il y en a ici qui ont suivi mon conseil durant la semaine dernière et qui ont été vérifiés? Oui, il y a quelqu'un là-bas. Génial. Bon, ben, on va voir si toi, tu sais nous répondre. Ah, il y a deux personnes. OK, parfait. Alors, trois petites questions avant de commencer le sermon. La première porte sur Jean 1. Dans Jean 1, Jean nous parle du salut. Mais de quel aspect en particulier du salut? En levant la main, s'il vous plaît. Ah oui. Non, du salut. Quel aspect du salut? Est-ce que c'est, par exemple, l'expiation? Excusez-moi que je ne comprends pas. Oui. OK. On me fait signe de répéter ce que les gens nous disent dans la salle, parce que sinon, ceux qui sont à la maison n'entendront pas, et c'est bien vu, tout à fait. Je vous remercie. Oui? Non. Quel aspect du salut? Oui, excusez-moi, on a dit la parole et c'est pas la bonne réponse. Il faut que ça rentre. Là. La technologie, je vous dis, je ne suis pas habitué. Oui? Prévu de toute éternité? On pourrait le dire, mais c'est quelque chose de plus précis, là, plus directement par rapport au salut. Est-ce que c'est l'expiation? La nouvelle naissance. Et bravo! Et tu gagnes? Des Skittles! Est-ce qu'il y en a ici qui sont jaloux, là? Vous avez l'occasion de vous rattraper pour la deuxième question. Dans Jean 2, pour quelle raison est-ce que Jean n'utilise jamais dans son évangile le mot miracle ou dynamisme? Mais ça, c'est pas important de le savoir. Pourquoi? Est-ce qu'il n'utilise jamais le mot miracle littéralement? Il a dit une blague, là, c'est pas. Pourquoi est-ce que Jean n'utilise jamais littéralement le mot miracle? Est-ce qu'on demande un indice? OK, il préfère le mot signe. Pourquoi? Oui? Oui, c'est toi. Oui, parce qu'un signe annonce ce qui s'en vient et confirme. OK, on a un élément de réponse par-ci, un élément de réponse par-là, confirme sa divinité. Virginie? OK, ça confirme ce qu'annoncent les prophètes, le fait que ce soit le Messie. Je pense que je vais vous donner les Skittles parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie, mais en gros, c'est pour nous décrire qui est Jésus à travers les miracles et les signes qu'il produit. Fait que vous partagerez le sac de Skittles, Sylvie et Virginie. Et troisième question, si vous avez trouvé les deux premières difficiles, attention, la troisième est bien pire. Ça, c'est quelque chose qu'on a dit dans une parenthèse au sujet de durant le sermon sur Jean 2. C'est quoi le lien unificateur entre les chapitres 2 à 4 de Jean? On nous dit le 3. Wow, wow. Tu gagnes tous les Skittles qui restent. Là. Pour vrai, s'il n'y a aucune bonne réponse, je te le donne. C'est quoi le lien commun entre tous les chapitres de Jean 2 à 4? Plus d'indices. Dans Jean 2, on a les noces de Cana où Jésus change l'eau en vin. Ensuite, on a la purification du temple où Jésus annonce qu'il va remplacer le temple par un nouveau. Ensuite, on a l'entretien de Jésus avec Nicodème. Il y a quelque chose dans l'entretien de Jésus avec Nicodème. Ensuite, on a la femme samaritaine. C'est quoi le lien unificateur? Oui, Moïse? Jésus. Jésus est toujours la bonne réponse, mais pas dans ce cas-ci. Oui?
Naître de nouveau? Non, ce n'est pas exactement ça, mais ça peut faire partie du lien commun. Il est le Messie. C'est aussi, c'est un peu toujours la réponse, mais ce n'est pas vraiment le cas des chapitres. Oui? Sa grâce. OK. La résurrection? Pas encore. OK, je vous répète. Changement d'eau en vin? Oui? Le royaume de Dieu? La réponse, on a quelqu'un là-bas? Il est la vérité, la vie. C'est pas encore ça. On change l'eau par du vin? On annonce qu'on remplace le temple par un nouveau? Oui? Un signe? C'est pas juste ça? Oui? Les miracles? Non? Oui? On l'a mentionné, ça. C'est un des aspects. La nouvelle naissance, qu'elle a répondu. Oui? Le H2O. Non. Remplace de l'eau par du vin. Remplace un temple par un nouveau. Nouvelle naissance. La réponse dans le fond? Non plus. Je vais dire, je vais faire ce que j'ai dit que je ferais et je vais te le donner parce que personne n'a vraiment la bonne réponse. Mais le lien unificateur des chapitres 2 à 4, c'est qu'il y a toujours remplacement de quelque chose par autre chose. Et dans le cas de Nicodème, vous l'avez dit au moins deux fois, nouvelle naissance, nouvelle vie, nouveau cœur. Mais la réponse que le chapitre 3 est le lien unificateur entre le chapitre 2 et le chapitre 4, là, vraiment, là, j'étais pas prêt à celle-là. Alors, pour les jeunes qui sont avec nous ce matin, je suis désolé parce que je sais que vous êtes là exceptionnellement, puis que donc vous n'étiez pas en mesure de répondre aussi bien que vos parents. Mais ne vous en faites pas parce que j'ai prévu une question spécifiquement pour vous, les jeunes, à la fin du sermon. Fait que restez attentifs, celui qui veut un paquet de Skittles. Donc, dans le texte d'aujourd'hui, Jean 3, nous allons voir en quoi Jésus continue dans sa lancée et s'apprête à remplacer quelque chose par autre chose. Et si vous avez été attentif à ce qu'on a déjà dit sur le chapitre 2, et en particulier sur les trois derniers versets, les versets 23 à 25, pardon, vous connaissez déjà la réponse. En fait, je viens un peu de la redire ici. Et bien, sans plus attendre, on va simplement commencer par lire le texte biblique ensemble. Et ce matin, je ne vais pas commencer à partir de Jean 3, 1, je vais commencer à partir des trois derniers versets du chapitre 2 parce que je pense que ça va nous éclairer beaucoup sur le texte qu'on va ajouter ce matin. Je vais prendre une gorgée d'eau avant toute chose, j'ai déjà la bouche sèche. Jean 2, 23. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme, lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, ou d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il advenir? » Jésus lui répondit, « C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela. Amen, amen, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres,
Comment croirez-vous alors si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière étant venue dans le monde, et les humains, la lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Prions. Seigneur, quel passage! Quel passage de l'Écriture qui, j'en suis convaincu, a changé la vie de plusieurs personnes ici et qui continue à nous nourrir de jour en jour d'admiration et de fascination pour ton amour pour nous, pour ta présence dans nos vies, pour ta puissance et pour le rôle qu'on a à jouer dans ce monde aussi, à l'imitation de ton exemple. C'est un passage tellement riche, et c'est certain que ce matin, on n'aura pas le temps d'aborder tout ce qu'on pourrait dire dessus. On pourrait faire facilement plusieurs sermons. Alors, je te prie simplement que par ton esprit, tu inspires ceux qui sont ici. Tu nous encourages à travers ce qui va être dit, mais plus encore, que tu nous encourages à travers ta parole, à travers le texte qu'on va présenter, et que tu nous accompagnes chacun dans les réflexions qui vont suivre, dans les méditations qui vont suivre. Sois avec nous par la puissance de ton esprit, tandis qu'on médite sur ta parole au nom de ton Fils Jésus. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai pris la peine de lire à partir de Jean 2, 23? Parce que le texte nous donne suffisamment d'indices pour comprendre que les trois derniers versets du chapitre 2 forment un tout cohérent avec le chapitre 3. Premièrement, le chapitre 3 commence par un « or » ou un « mais » ou un « et » selon votre traduction. Alors déjà, on voit que pour pleinement comprendre le sens du chapitre 3, on doit prendre en compte ce qui précède. Puis ensuite, ça c'est une légère lacune dans la traduction que moi j'emploie. Je vais vous remettre le verset ici. Il y a une sorte de mot charnière qui unifie 2:25 à Jean 3:1 et qui est absent dans la traduction que j'ai choisie pour vous. Si je devais faire une légère modification dans le texte pour vous montrer quel est le mot qui est absent. Ah, je viens de constater que l'écran que je vois ici, ce n'est pas toujours celui qui apparaît en avant. Merci pour m'avoir fait un signe. Donc, si on reprend à partir de la fin du chapitre 3 et qu'on relisait avec une légère différence, on dirait « Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il produisait, mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Or, il y avait un homme parmi les pharisiens, un chef des Juifs du nom de Nicodème. » Et c'est le mot « homme » qui est absent du verset 1 ici. On comprend que l'usage répété du mot « homme », ça peut sembler redondant, puis qu'un traducteur aurait peut-être voulu l'enlever pour rendre la lecture plus fluide. Mais ici, l'usage du mot « homme », l'usage répété, nous permet d'associer Nicodème au groupe de gens qui faisaient confiance à Jésus, mais en qui Jésus n'avait pas encore confiance. Donc, dès le départ, avant même que Nicodème ait prononcé un seul mot, Jean l'évangéliste nous invite à associer Nicodème à ce groupe de gens dont la foi était encore inadéquate. Essayez de garder ça en tête pendant qu'on va aborder le texte de Jean 3 ensemble. Jean 3, donc, un chapitre rempli de merveilles. Si je vous dis Jean 3, tout de suite, vous pensez à quoi? Jean 3, 16, je l'ai entendu. Oh, 19, il y a quelqu'un qui a une petite préférence là-bas. Mais quand même, Jean 3, 16, ça reste que c'est le verset le plus connu de toute la Bible. Ou du moins, jusqu'à tout récemment peut-être, il y a un commentateur qui nous dit qu'il est possible que maintenant, le verset le plus connu de la Bible, ce soit devenu en fait Matthieu 7, 1.
Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés. Mais jusqu'à nouvel ordre, c'est encore Jean 3,16 qui est le verset le plus connu de la Bible. Donc, si on pense à Jean 3,16 en premier, on va évidemment considérer que tout le chapitre 3, ou du moins les versets 1 à 21, c'est un exposé théologique sur le salut. Ou encore, c'est une lettre d'amour de Dieu aux hommes. Puis tout ça a beaucoup de vrai. Mais il ne faut pas oublier que les versets 1 à 15 sont avant tout une narration. Ils nous racontent une histoire, un dialogue, tandis que les versets 16 à 21 nous apportent une explication théologique de la part de l'évangéliste Jean pour bâtir sur ce qui a été dit de Jésus dans la narration. Dans cette narration, comme dans tout bon récit, nous avons des personnages, des motivations, des enjeux et des rebondissements. Et c'est pourquoi nous allons aujourd'hui aborder le texte section par section pour suivre le développement progressif des vérités qui nous sont dévoilées. D'abord par Jésus à Nicodème et éventuellement par Jean. Et pour ce faire, nous avons divisé notre passage dans les 5 sections, dont voici la première. Et chacune de ces sections-là, je les ai divisées basées sur un rebondissement ou ce qu'on pourrait appeler une ironie dans le texte. Parce qu'il y en a beaucoup des ironies dans Jean. Si on continue de semaine en semaine, vous allez le constater par vous-même. Donc Nicodème, un élève qui sait déjà tout. Nicodème est un personnage fascinant. On pourrait en parler très longtemps. Pour ceux qui ont écouté la série The Chosen, je fais encore ma petite publicité, je ne cache pas que pour moi, Nicodème, c'est un de mes personnages préférés. Ils l'ont rendu très attachant. Mais il faut faire attention de se rappeler que ça, la série The Chosen est une interprétation. Ce qui, je trouve, a été le plus difficile au sujet de Nicodème pour moi en préparant ce sermon, ça a été de me défaire de toutes mes idées préconçues que j'avais de lui et de laisser uniquement le texte me le présenter. On a déjà mentionné que le texte de Jean 2, 23 à 3,1 nous suggère subtilement de ranger Nicodème parmi ces fameux enthousiastes qui ont cru à Jésus à cause de ses signes et de ses miracles, mais dont la foi n'était pas encore fiable à cause de ce qui était dans l'homme. Mais même s'il y a une association à faire entre ces gens-là et Nicodème, Nicodème reste un cas à part. Après tout, il va plus loin qu'eux, hein, en prenant la peine d'aller rencontrer Jésus. Et sa conduite, tout au long de l'évangile de Jean, est de loin plus honorable vis-à-vis de Jésus que celle de tous ses compagnons pharisiens. Il va le rencontrer pour chercher à comprendre ce qu'il va dire, pas pour lui tendre des pièges. Il prend timidement sa défense en public, au chapitre 7, et il a même pourvu d'un mélange d'environ 30 kilos d'aromates pour le corps de Jésus après sa crucifixion. Quand Pierre et Jean partirent en courant au tombeau vide, ça devait déjà sentir bon. 30 kilos. C'est énorme. Puis il y a même un commentateur qui nous dit pour pouvoir amener 30 kilos au tombeau de Jésus, il faut avoir plusieurs serviteurs avec soi qui nous aident à les transporter. Alors si le début de l'évangile de Jean nous montre Nicodème comme un homme timide qui n'ose peut-être pas trop se placer, mais à la fin de l'Évangile, il y a peut-être des raisons de penser qu'il était moins timide et qu'il s'affichait publiquement pour Jésus. Le texte mentionne un détail donc très intéressant au verset 2. Il nous dit qu'il vint trouver Jésus de nuit. Quand on sait ce que les thèmes de ténèbres et de lumière, de jour et de nuit représentent pour Jean, on peut être sûr que ce détail-là n'a pas été laissé pour nous par hasard. Puis d'ailleurs, le détail est répété en Jean, je crois c'est Jean 18, lorsque Nicodème revient pour apporter les aromates, ça dit « Nicodème, celui qui était allé voir Jésus de nuit ». Donc c'est encore répété. Jean sous-entend peut-être non seulement que Nicodème craignait d'être vu en public avec Jésus au début, et donc qu'il n'est peut-être pas si enthousiaste qu'on pouvait le penser, mais surtout, Jean suggère que Nicodème approche Jésus en étant encore enfoncé dans ses propres ténèbres spirituelles. Nicodème était-il courageux parce qu'il est le seul pharisien à accorder un réel intérêt personnel à ce que dit Jésus? Ou est-il un lâche parce qu'il l'approche de nuit? L'objectif de l'auteur n'est ni de nous faire considérer Nicodème comme un modèle, ni de nous le faire considérer comme un contre-modèle. Au mieux, on peut conclure que Nicodème est un homme prudent. Mais on ne peut pas vraiment se prononcer davantage. Ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est qu'il est suffisamment complexe et nuancé pour que tout le monde puisse reconnaître une partie de soi-même dans Nicodème, surtout à notre époque. Puis là, vous allez peut-être me dire, mais là, c'est pas tout le monde qui est un leader religieux, un homme ultra cultivé de la haute société. Forcément, n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde qui lirait l'évangile de Jean doit se sentir très différent de Nicodème, le spécialiste.
Mais réalisez-vous combien dans le Québec de 2024, même une personne qui a abandonné son secondaire 5 a plus d'éducation que la moyenne des gens v'là 300 ans. Fait qu'imaginez v'là 2000 ans. Donc, n'importe qui sachant lire et écrire, qui est capable de fouiller dans une Bible, qui est à la recherche de réponses sur le sens de la vie, est capable de s'identifier au moins en partie à Nicodème. Nicodème aborde donc Jésus visiblement avec un grand respect. Et déjà, il l'appelle « Rabbi », ce qui signifie « maître ». Il n'est pas le seul pharisien à appeler Jésus maître dans les évangiles, mais contrairement aux autres, lui semble le faire avec un respect, voire une soumission sincère, et c'est la bonne chose à faire. Et ce qu'il dit ensuite est fascinant. Il dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est pas avec lui, ou si Dieu n'est avec lui. » D'abord, il appelle Jésus « Rabbi », comme tout bon étudiant prêt à apprendre. Mais tout de suite après, il s'empresse d'ajouter, ou plutôt de mentionner ce que nous savons. Déjà, c'est qui nous? Ben, on l'ignore. Nicodème aurait peut-être pu venir voir Jésus avec certains disciples. Il y en a qui pensent ça. Sinon, peut-être que Nicodème se fait le représentant d'une petite minorité au sein des pharisiens, des gens qui avaient une petite curiosité ou un intérêt pour Jésus. On ne le sait pas. Mais peut-être qu'au fond, Nicodème a juste envie. Il a peur de se ridiculiser, donc il a besoin de se couvrir un peu en disant qu'il n'est pas tout seul. Voici le raisonnement qu'il va formuler, parce qu'il fait un gros effort pour formuler la déclaration d'ouverture de la façon la plus rationnelle qui soit, là, pour être sûr que son idée est bien comprise, là, puis qu'il n'est pas en train de se mélanger les pinceaux. Voici son raisonnement. Si Dieu n'est pas avec quelqu'un, alors quelqu'un ne peut pas produire de tels signes. S'il y en a qui sont des programmeurs dans la salle, vous comprenez tout de suite la pensée logique, un peu algorithmique que j'essaie d'entreprendre avec vous, là, mais c'est de la pure logique de base, là. Et donc, puisque Jésus produit de tels signes, alors, forcément, Dieu doit être avec Jésus, un vrai ingénieur. On a là la méthode de rétro-ingénierie typique. On voit le prototype fonctionnel devant soi, là, Jésus qui accomplit ses miracles, puis on essaie de remonter au plan à partir de la machinerie. Dans tout ça, Nicodème ne pose encore aucune question. Mais Jésus va lui répondre quand même. La réponse de Jésus m'a souvent laissé perplexe, parce qu'on dirait que Jésus change complètement de sujet. Nicodème veut vraisemblablement aborder les signes. Il est probablement aussi intéressé à connaître la personne de Jésus, savoir s'il est le Messie ou le prophète, mais dans sa manière de présenter les choses, on voit que son point de focalisation, c'est les signes. Et Jésus va changer complètement de propos et lui parler plutôt de la nouvelle naissance. Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Et j'ai réalisé, en analysant la réponse de Jésus, que si Jésus change effectivement de sujet, il ne change pas de format. Nicodème cherchait à établir des conséquences logiques. Il disait si Jésus, il disait si Dieu n'est pas avec quelqu'un, alors quelqu'un ne peut pas accomplir de tels signes. Jésus leur lance sur un sujet encore plus important en suivant la même logique. Il dit si quelqu'un ne naît pas de nouveau, alors quelqu'un ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc dans un sens, Jésus embarque dans le jeu de Nicodème. Sa réponse pourrait avoir été faite en bonne camaraderie. Par contre, là où la réponse de Jésus choque. Si on suit bien son raisonnement, c'est que là où Nicodème posait un raisonnement logique pour complimenter Jésus, Jésus lui le fait pour avertir Nicodème d'un grave danger. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et ça, dans la pensée juive, de dire à un juif qu'il ne verrait pas le royaume de Dieu, c'était presque impensable. Parce que dans la pensée juive du temps de Nicodème, si vous étiez un de ses contemporains, pour vous voir le royaume de Dieu, et avoir la vie éternelle, c'est pratiquement des synonymes. C'est pratiquement certain que Nicodème savait de quoi Jésus était en train de lui parler quand il lui disait un homme ne peut pas voir le règne de Dieu. Pour un juif de l'arrière-plan et des convictions de Nicodème, voir le royaume de Dieu, c'était avoir part au royaume de la fin des temps, connaître la vie éternelle, la vie de résurrection. C'est ce que nous, on appelle souvent, par abus de langage, aller au ciel. Les juifs tenait pour acquis qu'en tant que peuple choisi de Dieu, tous les Juifs allaient avoir le droit d'entrer dans ce royaume, sauf exception, mettons, les rares cas d'apostasie ou de méchanceté notoire. Et ça ressemble beaucoup à la conception générale des gens dans la société post-chrétienne.
c'est-à-dire dans des pays qui ont déjà été chrétiens, mais qui aujourd'hui ne le sont plus. De plus en plus de gens n'hésitent pas à affirmer que Dieu n'existe pas, ou encore que s'il existait, ils ne croiraient pas en lui parce que soit ils n'en ont pas besoin, ou soit ils ne sont pas d'accord avec sa façon d'être. Mais en même temps, on entend aussi de manière tout aussi répandue que si le paradis existait, on y entrerait forcément. Pour toutes sortes de raisons. Alors, on a été baptisé quand on était bébé, on est allé à une messe une fois, ou nos parents étaient chrétiens, ou on s'est fait enseigner que le paradis existait, puis on y croit. On n'est peut-être pas aussi nationalement attaché à la religion que l'étaient les Juifs, je veux dire au Québec par exemple. Mais même au Québec, on est le produit d'une culture, puis on a une tendance, comme dans toutes les sociétés, à trouver des solutions, soit rationnelles, soit non, pour se rassurer sur ce qui nous attend après la mort. L'expression « naître de nouveau » ou « nouvelle naissance », en revanche, ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais le concept d'une transformation intérieure et décisive, ça s'y trouve. Les Juifs s'attendaient à ce que dans le royaume de la fin des temps, il y ait une résurrection et une forme de régénération, comme on peut le voir dans certains écrits prophétiques qui promettent un changement radical du cœur du peuple. Et je vous en ai mis deux exemples ici. Jérémie 31-33, « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Deuxième exemple, Ézéchiel 11, 19 à 20, « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un souffle nouveau, j'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions, qu'ils observent mes règles et les mettent en pratique. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. » Souffle et esprit, si vous voyez souffle ici, là, c'est le même mot en hébreu, puis c'est la même chose en grec encore. Donc selon les traductions, vous pourriez avoir un ou l'autre. Déjà, dans ces deux versets-là, on retrouve la promesse d'une transformation du cœur du peuple de Dieu, c'est-à-dire une transformation qui s'opère au niveau le plus profond de la nature humaine. Donc, en résumé ici, Nicodème commence à aborder Jésus comme un élève aborderait son maître. Il semble disposé à apprendre, mais en même temps, il se montre un peu, surtout enclin à lui dire ce que lui sait de Jésus. Mais la réponse de Jésus lui fait rapidement perdre toute assurance, car non seulement Jésus est en train de l'avertir de son besoin de naître de nouveau et de l'urgence du fait qu'il faut que ce soit maintenant et pas seulement à la fin des temps. Mais en plus, quelque part, Jésus est en train de lui dire qu'au fond, Nicodème, ben, il ne sait rien. Nicodème, un enseignant qui ne sait finalement rien. Nicodème aborde Jésus en disant « Nous savons », mais la réponse de Jésus l'oblige à se remettre en question. « Comment pourrais-tu savoir quoi que ce soit ?» Toi qui ne peux même pas voir ou percevoir ou discerner, c'est le même verbe en grec, le royaume de Dieu. Vient ensuite la question comique. Nicodème demande à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? Et il faut qu'on prenne le temps d'expliquer la confusion de Nicodème. Lorsque Jésus dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau, il lui dit en grec, Genao anothen. Genao, c'est naître, et anothen peut vouloir dire soit d'en haut, soit de nouveau. Donc, il est bien question d'une naissance d'en haut quand on comprend l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Mais Nicodème comprend de nouveau, et donc, pour lui, il s'agit d'une deuxième naissance charnelle au lieu d'une naissance d'ordre spirituel. Certains commentateurs disent que la question de Nicodème que pose à Jésus est incrédule, voire sarcastique ou méprisante, mais je ne pense pas qu'on doive aller jusque-là pour expliquer le décalage dans sa question. Je pense qu'on a simplement ici un trait d'humour de la part de l'évangéliste, qui d'ailleurs aime beaucoup utiliser les malentendus provoqués par des déclarations de Jésus pour faire avancer son récit. Il n'y a pas de question idiote, comme on dit. Jésus lui répondit, je vais revenir en arrière pour vous afficher le texte. Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Tout à l'heure, Jésus avait dit que si quelqu'un ne naît pas de nouveau ou d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Deux éléments, naître de nouveau et voir le royaume de Dieu. Ici, Jésus précise les deux mêmes éléments, en les reformulant, mais différemment.
voir le royaume de Dieu est remplacé par entrer dans le royaume de Dieu. Puis ça, à la limite, on en a déjà parlé, pour un juif, c'était une évidence. Et l'expression « naître de nouveau » ou « d'en haut » devient l'expression « naître d'eau et d'esprit ».« Naître d'eau et d'esprit », c'est une expression qui va te couler beaucoup d'encre. Naître d'esprit, à la limite, on peut comprendre, nous, chrétiens, on pense au Saint-Esprit de Dieu tout de suite, comme dans les citations qu'on a vues tout à l'heure, et en particulier celle d'Ézéchiel 11. Mais ça veut dire quoi, naître d'eau? Une explication que j'ai souvent entendue, c'est de dire que naître d'eau, c'est naître dans la chair comme un bébé sortant de sa mère, donc on a le liquide amniotique, donc on a peut-être l'eau qui symbolise la naissance humaine, tandis que l'esprit symbolise la naissance spirituelle. Mais ça ne se tient pas vraiment ici, parce que naître d'eau et d'esprit est un strict synonyme de naître de nouveau. Donc, il ne s'agit pas de deux naissances, mais d'une seule, qui s'appelle naître d'eau et d'esprit. Une autre explication qu'on peut entendre, c'est que l'eau, c'est le baptême. Mais ça non plus, ça ne tient pas la route, parce que premièrement, le baptême, ce n'est pas un moyen magique d'obtenir le salut. Puis deuxièmement, lorsque plus tard, Nicodème va demander à Jésus comment une personne peut naître d'eau et d'esprit, Jésus va lui reprocher de ne pas savoir. Or, le baptême chrétien, ce n'est pas un concept de l'Ancien Testament. C'est pour cette raison-là que si on veut comprendre ce que ça veut dire naître d'eau et d'esprit, notre seule solution, c'est de nous tourner à nouveau vers l'Ancien Testament. Puis pour ce faire, il faut qu'on trouve un passage qui parle à la fois d'eau et d'esprit. Les animations, c'est le fun, mais c'est quand il faut défiler vite. Alors voilà, Ézéchiel 36, 25 à 27. « Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle ou un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle, mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions pour que vous observiez mes règles et les métiers en pratique. » On a les deux éléments ici, une eau pure et vous serez purs et un esprit nouveau. La naissance d'en haut était annoncée dès l'Ancien Testament, puis elle se déclinait en deux aspects. L'eau pure, c'est la purification des impuretés. Et l'esprit nouveau, c'est la transformation du cœur qui permet aux êtres humains de suivre pleinement Dieu. L'eau pure, c'est la purification. L'esprit nouveau, c'est la transformation du cœur de l'homme. Ce que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème, c'est que pour entrer dans le royaume de Dieu à la fin des temps, il faut maintenant être purifié et transformé spirituellement. Quand Jésus ajoute au verset suivant « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit », il ne fait que renforcer l'idée que l'humain doit pratiquement changer de nature pour avoir une relation avec Dieu. Et quand Jésus ajoute « Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau ou d'en haut », la tournure en grec est celle d'une interdiction ferme. Ne sois pas surpris parce que tu n'as aucune raison d'être surpris. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je t'ai dit. Tout ça se trouve dans l'Écriture et en principe, tu devrais savoir ça. Et pour la petite information, on a au verset 8 un jeu de mots, comme quand on a dit « d'en haut » ou « de nouveau », qui était le même mot. Donc, comme on l'a mentionné en parlant du souffle de Dieu dans l'Ancien Testament, le mot « esprit » en hébreu et en grec, c'est le même mot que pour parler d'un souffle ou du vent. Alors, Jésus utilise le vent directement comme une métaphore pour parler de l'action de l'Esprit de Dieu. Le vent ou l'Esprit souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Tu ne peux pas voir le vent, mais tu peux le ressentir. Tu peux le croire inoffensif par moments, mais à d'autres moments, il peut te terrifier. Avez-vous déjà vu une tornade? Il y en a qui disent oui. Non, mais pas à la télévision, là, j'ai entendu ça, là, mais avez-vous déjà vu une tornade de vos yeux? Une mini? OK, il y en a quelques-uns ici. C'est impressionnant, hein? Il y en a eu une à Mascouche, il y a 3 ans. J'ai pas vu la tornade passer chez nous, mais elle est passée chez ma sœur qui habite 2 rues plus loin. Leur voisin avait des caméras de surveillance, puis il a tout enregistré, puis il a mis le résultat sur YouTube. Là, je vais pas pouvoir vous montrer la vidéo, mais au pire, je la mettrai sur Facebook plus tard, mais je vais essayer quand même de vous décrire ce qu'on voit. La vidéo dure 37 secondes. Et sur les 37 secondes, c'est très court, là, les 23 premières, vous avez le voisin qui ramasse des affaires dehors, puis il ne se presse pas. Fait qu'il ne sent pas le besoin de courir vers sa maison, il ramasse ses affaires. Puis il rentre dans la maison à 23 secondes. À 23 secondes, le bruit commence à monter en intensité. À 29 secondes,
c'est-à-dire un bon 6 secondes plus tard, on voit les dossiers des deux chaises longues qui plient tout seuls, mais c'est encore juste un vent violent. Et à 36 secondes, soit 13 secondes après que le voisin soit rentré dans la maison, les deux chaises longues, le set de patio, la toile du spa, la table du fond de la cour, tout commence à s'envoler et la clôture entre chez eux et ma sœur s'écroule comme un château de cartes. Puis tout ça, ça se passe en l'espace de 2 secondes. Puis pourquoi je vous dis 2 secondes? C'est parce qu'après, la vidéo coupe. Elle est partie avec l'électricité, oui. Ce jour-là, il y a eu un mort à Mascouche. Un homme qui était dans sa cour pendant que la tornade est arrivée puis qui a essayé de se protéger dans son cabanon, mais ça n'a pas suffi. On ne peut pas voir le vent, mais on en ressent les effets. Le vent peut être mortel, même s'il n'y en a pas toujours l'air. Puis avec l'Esprit de Dieu tel que Jésus nous le décrit ici, c'est la même chose, à ceci près qu'il répand la vie au lieu de répandre la mort. Dans la suite d'Ézéchiel, au chapitre 37, c'est d'ailleurs littéralement ce que l'Esprit fait dans la fameuse vision de la vallée des ossements desséchés. Puis on n'aura malheureusement pas le temps de la lire ensemble aujourd'hui. On parle de Jean 3, mais c'est tout un texte et je vous le recommande. Lorsque Nicodème demande à Dieu, « Comment cela peut-il advenir, naître d'eau et d'esprit? » La déception de Jésus est totalement justifiable. C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas ça. Maître, ici, veut dire enseignant. En principe, Nicodème aurait non seulement dû comprendre à quel passage de l'Écriture Jésus faisait allusion, puis on en a vu assez d'exemples pour prouver que c'était bien là, mais en plus, il aurait dû être celui qui les enseigne aux autres. Il me semble que Jésus n'est pas tant frustré par l'ignorance de Nicodème lui-même qu'il est attristé pour l'ignorance de son peuple. En plus, 2 chapitres avant Ézéchiel 36, qu'on a lu tantôt, il y a le jugement d'Ézéchiel 37 contre les bergers d'Israël qui n'ont pas pris soin du troupeau dont il avait la garde. Et c'est pour cette raison qu'en Ézéchiel 34:11, par compassion pour son peuple perdu, Dieu dit « Je viens moi-même prendre soin de mes bêtes ». En tout cas, on ne peut pas non plus s'étirer sur Ézéchiel 34, le sermon porte sur Jean 3:16. Et ça nous amène à notre point 3. Il y a un petit suspense qui se crée tout seul. Notre point 3, Jésus, la réponse, mais qui n'est pas reçue. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là, Jésus va faire un reproche non seulement à Nicodème, mais aussi à vous, qui pourraient être les pharisiens en tant que leaders religieux d'Israël. Je ne sais pas, le texte ne le dit pas. On entre donc dans la section du texte qui va laisser progressivement Nicodème de côté pour se concentrer davantage sur la personne de Jésus, la réponse de Dieu, mais qui n'est pas reçue. Jésus dit donc à Nicodème, « Amen, amen, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous si je vous parle de choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Pour les lecteurs de l'Évangile de Jean, ce que dit Jésus n'est pas une surprise. Ce que dit Jésus ici est étroitement connecté à ce que nous avons déjà vu ensemble dans le prologue, en Jean 1, les versets 10 et 11. La lumière était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie ou ne l'ont pas reçue, selon votre traduction. La tragédie ici, c'est que les Juifs étaient vraiment fascinés par les choses célestes, aussi bien que par les choses de la fin des temps. Ils étaient tellement à la recherche de la contemplation et de la compréhension de ces choses mystérieuses et inaccessibles qu'il y avait même, j'ai appris ça en lisant sur le texte, c'est fascinant, il y avait même, à ce qui paraît à l'époque de Jésus, toute une industrie artisanale qui gravitait autour des personnages d'Enoch, d'Élie, de Moïse, Ésaïe ou même Ézéchiel, tous des hommes de l'Ancien Testament, soit qui auraient été enlevés au ciel sans passer par la mort, soit des personnages qui auraient eu des visions de la gloire de Dieu dans les lieux célestes. Et les Juifs étaient tellement fascinés par tous ces hommes qui, soit sont allés au ciel, soit sont restés pour en parler, mais dont aucun n'a fait les deux en même temps. Et pendant ce temps-là, Jésus se tient à côté de Nicodème et lui dit, « Le Fils de l'homme, lui, a vu le ciel, il en est descendu pour témoigner. » Pensez à Jean 1,18, celui qui a annoncé Dieu, c'est Jésus. Celui qui a raconté Dieu, on a même expliqué, c'est celui qui en fait l'exégèse.
Le terme « fils de l'homme » que Jésus emploie est loin d'être anodin, et c'est un terme qui est tout droit issu de l'Ancien Testament, encore une fois, et qui fait référence à une prophétie du prophète Daniel, comme on peut le lire en Daniel 7:13. « Dans mes visions nocturnes, je vis alors arriver avec les nuées du ciel, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il s'avança vers le vieillard et on le fit s'approcher de lui. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur, la royauté. Tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours, elle ne passera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Le Fils de l'homme est étroitement lié au royaume de Dieu dont on a parlé tout à l'heure. C'est le personnage de l'Ancien Testament qu'il faudrait écouter si on veut apprendre quoi que ce soit sur le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que nous dit Jésus du Fils de l'homme? Il ajoute une information, il dit « il faut qu'il soit élevé ». De la même façon que le serpent a été élevé par Moïse dans le désert. Ici donc, on veut comprendre ce que Jésus dit à Nicodème, on doit faire quoi? Encore une fois, on doit aller tourner dans l'Ancien Testament. Dans Nombre, chapitre 21, les versets 4 à 9. On parle ici des enfants d'Israël. Ils partirent de hors la montagne par le chemin de la mer des Joncs pour contourner Édom. En route, le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain ni eau. C'est pas vrai. Il y avait le pain de Dieu. Et nous avons pris en horreur ce pain misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu le verra, restera en vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Si quelqu'un était mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il restait en vie. Ce qui est merveilleux avec cette histoire, c'est combien elle nous aide à comprendre les enjeux du péché, de la grâce et du salut par la foi. Lorsqu'il est dit au verset 4 et 5 que le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse, vous rappelez-vous dans quelles circonstances le peuple s'est plaint? Dieu avait délivré Israël du pays d'Égypte où Israël et leurs ancêtres avaient été esclaves pendant plus de 200 ans. Dieu était littéralement en train de s'occuper d'eux de façon aimante, de les conduire de jour en jour vers la terre promise comme un berger conduit ses brebis. Il les nourrissait littéralement avec la manne, un pain venu du ciel. C'était un miracle. Ils n'avaient même pas besoin de chasser ou de cultiver pour leur subsistance. Et pour décrire le péché des Israélites en peu de mots, parce qu'on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, mais en gros, leur péché, c'est d'avoir accusé Dieu d'être le contraire de ce qu'il était. Comme s'il était maléfique à leur égard, comme s'il était indifférent à leurs épreuves. Ensuite, les serpents mortels ont fait leur travail et là, le peuple a compris c'est quoi la différence entre un Dieu qui les protège et un Dieu qui leur veut du mal. En principe, Dieu aurait pu ne pas pardonner les médisants et les laisser mourir, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Dieu préfère toujours le pardon au jugement. Alors, il a pourvu la solution la plus simple qui soit. Regarde cet objet. Je le mets là en évidence, en hauteur. Fais juste le regarder. Autant en évidence que ça, quiconque était mordu n'avait qu'à sortir de sa tente pour le voir. Et même ceux qui étaient trop faibles pour marcher pouvaient juste dire à leur famille, « Sors-moi de là, fais en sorte que je le regarde, le serpent, puis je vais être sauvé. Ah oui, aide-moi! » Avec une solution simple de même. Vous pourriez peut-être vous dire, « Bien, tant qu'à faire, pourquoi pas juste guérir tout le monde? » Personnellement, je suis sûr que ce jour-là, malgré toute la simplicité infantile de la solution, il y en a qui sont morts, qui n'ont pas été guéris. D'après vous, avec une solution simple de même, quelle est la seule catégorie de gens qui n'ont pas regardé au serpent et qui sont morts de leur morsure? J'ai compris aucune de vos réponses, mais je vois que ça participe, je vous remercie, je vais continuer à lire. Ceux qui ne font pas d'efforts, OK? On va expliciter ça, c'est quoi pas faire d'efforts? Je vois que ça veut participer, là. Ceux qui n'obéissent pas, c'est un très bon point.
Ceux qui ont persisté à vouloir se voir eux comme les victimes et avoir Dieu comme un méchant, quelqu'un qui ne voulait pas leur bien. Ceux qui ne voulaient pas croire qu'ils les aimaient vraiment. Et parce qu'ils ne voulaient pas le croire, ils n'ont pas obéi, comme a dit Luc. Vous savez ce qui est le plus difficile dans une solution aussi simple que « regarde le serpent élevé en hauteur et mis en évidence à la vue de tout le monde » ? Ce n'est pas de regarder le serpent, c'est d'arrêter de regarder ailleurs. Pour le regarder, lui, il faut arrêter de regarder partout ailleurs, à commencer par soi-même pour être sauvé. Jésus dit donc à ce sujet-là, au verset 14 et 15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Comme on l'a déjà dit, avoir la vie éternelle dans la pensée juive et chrétienne, pour ce que ça vaut, un drôle de bug, ça. Je ne sais pas si on va voir ça sur YouTube. On avait deux slides qui s'emboîtaient l'une par-dessus l'autre. Donc, comme on l'a déjà dit, avoir la vie éternelle dans la pensée juive et chrétienne, pour ce que ça vaut, c'est l'équivalent de voir le règne de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. Alors, on va résumer ensemble un peu tout ce que Jésus a révélé à Nicodème jusqu'à présent. En Jean 3:3, il lui dit, de façon énigmatique, « Pour voir le règne de Dieu, il te faut naître d'en haut », ce que Nicodème comprend comme « de nouveau ». En Jean 3:5, Jésus précise sa pensée en disant que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut en fait naître d'eau et d'esprit. En Jean 3:15 et 16, Jésus explique que pour avoir la vie éternelle, il faut mettre sa foi dans le Fils de Dieu. Et si on se réfère à l'illustration qu'il nous a donnée sur l'Ancien Testament et sur les serpents brûlants, on comprend que pour être pardonné et guéri, il suffit d'obéir, comme a dit Luc, à la solution toute simple que Dieu a préparée pour nous et qui consiste simplement à porter son regard sur lui pour être pardonné et sauvé. On comprend, toujours basé sur cet exemple-là, que pour obéir à cette solution, si simple soit-elle, il nous faut d'abord reconnaître notre péché et notre besoin d'être pardonné et sauvé. Si on regarde simplement à la première case en haut à gauche, puis à la dernière case d'en bas à droite, et qu'on mette tout ça ensemble, vous obtenez l'idée principale du sermon d'aujourd'hui, qui est notre seul espoir de voir Dieu un jour, c'est de porter notre regard sur lui dès maintenant. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, notre Sauveur aussi a été élevé. Et encore une fois, Nicodème avait tous les indices qu'il lui fallait dans l'Ancien Testament. Je sais que ça fait déjà plusieurs textes de l'Ancien Testament qu'on regarde, mais c'est juste pour vous montrer combien les éléments importants étaient déjà tous là, que j'insiste là-dessus. Regardez avec moi, encore une fois, dans Ésaïe 52, 13 à 15. « Mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera, il sera très haut placé. De même qu'une multitude est atterré à cause de toi. » Petite pause, j'aime bien comme à la Louis II, tout simplement traduit ça. « Il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. » Fin de la parenthèse. « Tant son aspect défiguré n'était plus celui d'un homme, son apparence n'était plus celle des humains. De même, il purifiera par l'aspersion une multitude de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » On voit littéralement la mention du Messie élevé, ainsi qu'une des raisons pour lesquelles certaines personnes pourraient vouloir détourner leurs yeux de lui. Il est défiguré, il est repoussant. Être pendu au bois, parce qu'on sait que celui qui est élevé, c'est en fait Jésus, puis qu'il est élevé sur une croix. Hein. Mais ça, c'était une malédiction pour les Juifs, à un tel point qu'on ne pouvait pas concevoir que le Messie puisse être maudit pour Dieu. Pour les Juifs, c'est parce que Jésus était maudit qu'on refusait de croire. Pour les Scandinaves au Moyen-Âge, c'était parce que s'humilier et mourir sans combattre, c'était quelque chose de déshonorable. Et pour les Québécois, c'est parce qu'on pense déjà mériter le ciel sans lui. À toute époque, dans toute culture, toutes les raisons ont été bonnes pour que Jésus-Christ reste méprisé et abandonné des hommes, semblable à celui dont on détourne le visage pour qu'on le dédaigne et qu'on ne fasse de lui aucun cas. Et ceux qui sont attentifs, vous savez que je suis déjà en train de citer Ésaïe 53, le chapitre suivant, c'est juste trois versets après ça. Mais on n'a pas le temps. Il faut qu'on se concentre sur Jean. Ça nous amène donc à notre quatrième point. Jésus
le juge qui n'est pas venu juger. Comme on l'a mentionné plus tôt à partir du verset 16 et jusqu'au verset 21, c'est l'apôtre Jean qui prend le relais des paroles que Jésus a dites. Le verset 16, si connu, si répété, si admiré, si chéri dans notre cœur, commence par un « car ». Donc, pour comprendre Jean 3,16, c'était important de comprendre tout l'enseignement de Jésus à Nicodème jusqu'à ce point-ci, par rapport à la nouvelle naissance, à la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament, puis par rapport à l'analogie entre Israël, l'analogie d'Israël avec les serpents brûlants. Et c'est aussi nécessaire de lire ce qui suit jusqu'à la fin de la section que Jean a ajoutée pour expliquer les paroles de Jésus, c'est-à-dire tous les versets de 16 à 21. On va en lire une partie ici, une première moitié. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé. » On coupe dans le milieu du verset 18. Ici, vous avez l'une des nombreuses et des plus fameuses énonciations bibliques de l'Évangile. Évangile signifie « bonne nouvelle ». Puis généralement, une bonne nouvelle ne prend jamais plus de sens que lorsqu'elle arrive sur fond de mauvaises nouvelles. Pensez à un libérateur militaire triomphant qui vient délivrer votre ville assiégée. Oh, combien vous seriez heureux de le voir maintenant, parce que grâce à lui, le danger est écarté. Et c'est le genre de contexte dans lequel on utilisait le mot « évangile » avant que ce mot-là soit repris par les chrétiens. L'évangile annonce l'amour de Dieu à des gens qui encouraient sa colère. L'Évangile annonce le don du Fils unique parce qu'il y avait un prix à payer pour nos fautes. L'Évangile annonce la délivrance de la mort parce que la mort était le salaire pour nos péchés. L'Évangile annonce la vie éternelle parce que l'alternative, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. L'Évangile annonce que le Fils est venu non pour nous juger, mais pour sauver, pour le moment. Nous avons déjà mentionné Daniel 7 plus tôt à la fin du chapitre 7. On avait mentionné Daniel 7 au milieu du chapitre 7, mais à la fin du chapitre 7, qui parle de la fin des temps et de l'avènement du royaume de Dieu, on a une mention claire d'un jugement à venir. Et l'avènement du royaume de Dieu et le jugement dernier viennent ensemble. Puis un autre extrait du livre de Daniel qui développe ce jugement de façon encore plus précise, c'est Daniel 12, les versets 1 à 3. « En ce temps-là se dressera Michel le grand prince, celui qui défend les gens de ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. » En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle. Ceux qui auront eu du discernement brilleront comme brille la voûte céleste. Ceux qui auront amené la multitude à la justice, comme des étoiles pour toujours à jamais. Ce n'est pas un sermon sur le jugement dernier, c'est un sermon sur Jean 3, mais c'est tellement important de comprendre que l'amour de Dieu intervient pour sauver d'un jugement. C'est tellement important que Jean a jugé bon de préciser après Jean 3,15 tous les versets de 16 à 21. Si on n'avait pas besoin d'être sauvé de quelque chose d'aussi inévitable que le jugement dernier, Dieu n'aurait jamais envoyé son précieux Fils mourir à la croix. Jésus a prié son Père peu de temps avant d'être crucifié. « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme ce que je veux, mais comme toi tu veux, Matthieu 26, 39. » Mais en même temps, en Ézéchiel 33, 11, Dieu a dit « Par ma vie, déclaration du Seigneur, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de sa voie méchante et qu'il vive entre la vie de son Fils, infiniment bon et parfait, et la vie du méchant. » Dieu choisit celle du méchant pour qu'il revienne de sa méchanceté et qu'il puisse vivre. Lisons ensemble les versets 3 à 18, et je vais garder le titre du point 5 pour la fin. Les versets 3 à 18, deuxième partie, à 21. « Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière
pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Pour commenter brièvement ces versets, j'aimerais vous citer mot pour mot ce qu'a dit un commentateur, parce que je trouve que sa manière de résumer l'ensemble est très, très juste. Alors, ouvrez les guillemets. « Ici, nous retrouvons quelques-uns des termes de la terminologie judiciaire de Jean, ce qui inclut des termes tels que témoigner, témoignage, jugement. Alors que dans les trois autres évangiles, c'est Jésus qui est en procès, en Jean, c'est le monde, incluant les Juifs. La charge est que le monde, dans ses ténèbres morales, par péché, a rejeté Jésus, le Messie de Dieu. Un nombre significatif de témoins sont convoqués pour monter le dossier. Moïse et les Écritures, Jean le Baptiste, Jésus et ses œuvres, le Père et le quatrième évangéliste lui-même, Jean. À la fin, Jean expose la parodie de justice au procès juif et romain de Jésus et présente la résurrection de Jésus comme son triomphe ultime sur le monde incroyant, incluant même Satan. Cette définition d'un monde en procès m'a inspiré à aller consulter un livre du célèbre auteur C.S. Lewis. Et ceux qui connaissent bien Lewis, vous savez sans doute déjà de quel livre je veux parler. Dans ce livre, il explique certaines des difficultés qu'il rencontre parfois lorsqu'il essaie de partager la bonne nouvelle de l'Évangile dans la société moderne. Bon, on s'entend. Pour C.S. Lewis, la société moderne, c'est il y a 80 ans là, pour nous. Mais vous serez étonnés de voir combien ça nous ressemble. Donc, encore une fois, ouvrez les guillemets. À part tous les problèmes d'ordre linguistique, la plus grande barrière à laquelle je me suis heurté était l'absence quasi totale de conviction de péché chez mes auditeurs. Les prédicateurs de l'Église primitive pouvaient s'attendre à trouver chez leurs auditeurs, qu'ils soient juifs, prosélytes ou païens, un certain sentiment de culpabilité. Que cela était le cas chez les païens ressort du fait que les épicuriens ainsi que les religions à mystère prétendaient, bien que par des moyens différents, apaiser les consciences. Ainsi, le message chrétien était-il accueilli un peu partout comme l'Évangile, la bonne nouvelle? Il annonçait la guérison à ceux qui se savaient malades. Nous, par contre, nous devons convaincre nos auditeurs du diagnostic qu'ils refusent d'accepter avant de pouvoir nous attendre à ce qu'ils réagissent à l'offre du remède. Dans l'Antiquité, l'homme s'approchait de Dieu, ou même des dieux, comme un accusé se présente devant son juge. À notre époque, les rôles sont intervertis. C'est l'homme qui juge et Dieu est au banc des accusés. L'homme est sans doute un juge clément. Si Dieu a quelque chose à dire pour sa défense lorsqu'on lui fait grief d'être le Dieu qui permet la guerre, la pauvreté, la maladie, il est prêt à l'écouter. Dans le procès, le procès peut même se terminer par l'acquittement de Dieu. La chose significative est que l'homme occupe le siège du juge et Dieu le banc des accusés. D'après mon expérience, il me semble donc que si nous voulons éveiller la conscience de nos auditeurs, il faut le faire différemment. Il faudrait leur parler d'orgueil, de dépit, de jalousie, de lâcheté, de bassesse, etc. Mais je suis loin de prétendre avoir trouvé la solution miracle à ce problème. Fin de la citation. C.S. Lewis peut bien dire qu'il n'a pas trouvé la solution miracle pour convaincre les gens qu'ils sont pécheurs, et il fait bien de le dire, parce qu'une solution miracle, il n'y en a qu'une. Et c'est le Fils de Dieu élevé à la croix. Ce n'est pas des choses que nous pourrions faire ou dire. J'ai essayé jusqu'ici de formuler tous les points du sermon en fonction d'une forme d'ironie ou d'une autre, parce que le texte de Jean 3, puis dans nombreux autres endroits dans l'Évangile de Jean, comporte de nombreuses ironies. Alors on a eu en point 1, un élève, Nicodème, un élève qui sait tout. En point 2, Nicodème, un enseignant qui ne sait rien. En point 3, Jésus, la réponse qui n'est pas reçue. En point 4, Jésus, un juge qui ne veut pas juger. Mais le cinquième et dernier point, lui, est un peu spécial. Parce qu'en fait, vous avez le choix. Jean nous laisse le choix. Il nous présente deux voies opposées dans les versets 18 à 21. Face au problème de la croix, tu es maintenant libre de choisir l'ironie que tu veux pour ta vie. Veux-tu continuer à juger Dieu, à te croire meilleur que Dieu? À te croire plus apte que ton Créateur à estimer ce qui est bien ou ce qui est mal et à entretenir l'idée dans ton cœur que c'est Dieu qui doit te rendre des comptes et non l'inverse. Tu peux alors continuer toute ta vie à t'auto-proclamer juge des choses célestes et ce faisant, perdre de vue le fait que tu es déjà sur le banc des accusés et qu'un jugement s'en vient pour toi. Tu peux continuer toute ta vie à t'auto-proclamer bien portant ou en bonne santé et ce faisant, ignorer obstinément le poison mortel qui circule dans ton cœur et dans tes veines et qu'on appelle le péché,
et qui t'attire chaque jour un peu plus vers la mort éternelle. Mais la triste ironie qui t'attend si tu continues dans cette voie, c'est que si tu continues de penser que tu es ton propre juge et que tu ne seras jamais jugé, tu finiras jugé par celui qui est un plus grand juge que toi. Ou alors, tu peux reconnaître que tu es coupable. Coupable d'avoir méprisé Dieu dans ton cœur, en pensant savoir mieux que lui ce qui était bon pour ta vie et pour le monde. Coupable d'avoir obstinément refusé la guérison à la croix jusqu'à ce jour. En trouvant toutes sortes de raisons pour ne pas poser les yeux sur Jésus, pour ne pas croire en l'amour de Dieu pour toi. Son amour si immense qu'il t'a donné son unique Fils pour que toi, qui es pourtant vraiment coupable, tu ne sois pas jugé. Coupable d'avoir refusé le Fils de Dieu qui non seulement t'offre la guérison et l'acquittement de tes fautes, mais qui en plus t'offre le privilège inestimable de devenir à ton tour enfant de Dieu. Tu peux simplement reconnaître que tu es coupable et aller droit vers le juge pour être pardonné. Ton seul espoir de voir Dieu un jour, c'est de porter ton regard sur lui maintenant pour être sauvé. Et si tu fais ça, la douce ironie qui t'attend, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est l'Évangile, c'est que non seulement le juge ne va pas te juger, mais il va te pardonner par son esprit en toi. Mais il va te donner par son esprit en toi un nouveau cœur pour le comprendre et pour le suivre. De toi qui étais coupable, il va faire un juste. Ceux qui ont déjà choisi cette deuxième voie, prenons le temps de plonger à nouveau nos regards dans la grâce qui nous a été faite. Combien nous sommes plus légers maintenant que Dieu a retiré ses charges contre nous. Maintenant que l'Esprit nourrit quotidiennement notre cœur d'amour pour lui. Maintenant que nous savons que nous le verrons un jour comme un fils accourt à la rencontre de son Père qui l'attend les bras grands ouverts. Je ne conclurai pas mieux une prédication sur Jean 3, 1 à 21 qu'en reprenant les mots de C.S. Lewis qu'il dit dans un autre de ses ouvrages, « Le Fils de Dieu devint homme pour permettre aux hommes de devenir fils de Dieu. » Prions. Seigneur, je ne sais pas quoi dire de plus que merci. Surtout un texte comme ça, je veux dire, on peut être reconnaissant pour à peu près n'importe quel texte biblique, mais ça qui nous rappelle combien on était coupable et condamné, mais que toi, tu as tenu à intervenir pour qu'on ne reçoive pas ce qu'on méritait. Non, mais ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste que tu es intervenu, c'est que tu as puni ton fils à notre place. Seigneur, il y a tant à dire sur Jean 3. Il y a tant à méditer sur tout ce que tu as fait pour nous. Puis à la vérité, quand bien même on se mettrait tous ici à prendre chacun sa Bible, puis à faire un gros projet de groupe, puis à ne pas quitter nos feuilles tant qu'on n'a pas fini de comprendre tout ce que ton Évangile veut nous révéler, pas juste Jean 3, mais toute la Bible, bien, on va mourir ici, tout simplement. Il y a tant à dire là-dessus, il y a tant à méditer là-dessus, il y a tant à être reconnaissant pour ce que tu as fait. Je veux simplement te prier, Seigneur, pour que tu nous accompagnes dans les jours qui vont venir, dans nos réflexions, dans la méditation sur ta bonté pour nous, dans tout ce que tu nous as appris par l'intermédiaire de l'enseignement de Jésus à Nicodème, puis par l'intermédiaire de l'enseignement de Jean dans son Évangile. Fais fructifier cette vérité-là à nos yeux. Fais-nous découvrir, pour ceux qui ont besoin de le découvrir, fais-nous découvrir l'ampleur de ta grâce pour nous et saisir cette opportunité inestimable que tu nous donnes de devenir tes enfants. Et pour ceux qui ont déjà fait ce choix, fais-nous redécouvrir, fais-nous regoûter, fais-nous reméditer, fais-nous nous réémerveiller toujours plus par la profondeur de ton amour pour nous, car tu nous as tant aimés. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et donc, j'ai pas oublié des jeunes. Vous avez droit à une question quiz pour avoir les Skittles qui restent. Et donc, la question, c'est, est-ce que Nicodème est sauvé ou il n'est pas sauvé? Non, c'est une blague. Ça, les théologiens s'ostinent encore beaucoup là-dessus aujourd'hui. La question, c'est, vous rappelez-vous ce que représentent l'eau et l'esprit lorsque Jésus dit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. »
Et j'aimerais les deux réponses, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'eau et qu'est-ce que l'esprit? Oui? L'eau, c'est comme? Le sang de Jésus. Puis c'est quoi ensuite? L'esprit, c'est son corps. Tu as la moitié de la réponse. Parce que l'eau, c'est la purification. Et tu dis, c'est le sang de Jésus, ce qui est la même chose. Bravo. Tu as été plus loin que moi dans la pensée théologique, vraiment. Fait que rien que pour ça, je vais te donner les Skittles. Et la deuxième partie, l'esprit, ben c'est le cœur nouveau. Donc, voilà, félicitations.